Malgré un fort recul de la pauvreté dans le monde au cours des deux dernières décennies, la majorité de la population mondiale n'a pas accès au crédit et à un compte en banque. Pourtant, l'envie de créer chez les personnes pauvres ne manque pas. Le taux d'adhésion à l'entrepreneuriat peut grimper jusqu'à 50% dans certains bidonvilles. Les usuriers sont les seules personnes qui offrent des prêts aux entrepreneurs pauvres. Les taux d'intérêt sont souvent élevés et illégaux. C'est entre l'absence de prêts bancaires et usuriers que le microcrédit est devenu l'une des solutions à la réduction de la pauvreté dans le monde. L'entreprise sociale Babylon a créé une plateforme web qui diffuse largement le microcrédit et rapproche prêteurs et micro-entrepreneurs. Donc on s'est créé il y a 3 ans et demi, c'est-à-dire un site internet où vous allez trouver plein de petits projets de micro-entrepreneurs et vous allez pouvoir les financer, non pas en leur donnant de l'argent, mais en leur prêtant de l'argent. Donc vous allez sur le site, vous voyez Madame Karimov qui est couturière à Douchanbé au Tadjikistan, elle a besoin de 100 euros pour acheter sa machine à coudre, par exemple. Eh bien vous, avec votre carte bleue, vous allez prêter à partir de 20 euros. Et après, votre prêt, c'est un prêt solidaire, hein, c'est une forme de philanthropie, c'est pas de l'épargne, on va pas vous donner une rémunération sur ce prêt. Et à ce moment-là, vous pouvez sortir votre argent ou reprêter, bien entendu. Et c'est ça qui est assez fort dans le système, c'est qu'en fait, votre aide va avoir plusieurs vies, hein, puisque les 20 euros ou les 50 euros que vous allez mettre, vous allez les prêter une fois, deux fois, trois fois, et donc vous allez aider une personne, deux personnes, trois personnes. Aujourd'hui, Babylon, c'est un prêt toutes les 10 minutes. Les donateurs sont originaires de 145 pays et 15 000 micro-entrepreneurs ont pu être aidés. À Phnom Penh, au Cambodge, nous rencontrons un des partenaires de Babylon, l'institution de microfinance, qui est chargée d'attribuer les prêts aux micro-entrepreneurs cambodgiens. Le rôle de la microfinance est de donner un prêt au partenaire. We call internship also, or so we can call the partner. We give the loan and also we provide the social training to them when they come to get the loan from Jumran. And also for the baby loan, we just select some the partner that they are in credit, and also it's good for them. And we take the picture and we presentation about them, about their living condition, about their business and how they need the money. And then we send them to the baby loan for get support from the baby loan to help them. La majorité des activités développées sont des épiceries. Les micro-entrepreneurs achètent en gros au marché et revendent au détail dans les villages. Dans la périphérie sud de Phnom Penh, nous rencontrons deux micro-entrepreneuses bénéficiaires du prêt Babylon. ខ្វះខាតអញ្ចឹងទៅទិញបកគោឬជួលដីគេហើយនឹងទិញខប់ចាហើយនឹងទិញឲ្យពូចចាពីមុនខ្ញុំយកវាពិបាកដែរពិបាករឿងនិយាយទៅយកបើយកអង្គការផ្សេងផ្សេងយើងឡៃដើរសញ្ញាតាមភូមិតាមសង្កាត់អីណាបាទតែដល់ពេលខ្ញុំយកចម្រើននឹងវាងាយស្រួលនឹងឆាប់បានលុយ Aujourd'hui, les innovations web peuvent être des leviers efficaces d'aide au développement. La liberté qu'offre Internet dans ce domaine ne demande qu'à être exploitée. L'innovation web et sociale est un vrai relais. Par exemple, le peer-to-peer, mais il y a d'autres trucs. Hein. Il y a plein de mécaniques actuellement qui émergent de l'innovation du web au service du développement, qui coûtent fondamentalement très peu cher et qui ont des effets de levier considérables en termes d'impact sur le terrain. Donc est-ce que demain, la solution, c'est pas aussi de promouvoir des solutions innovantes, technologiques, d'aide au développement, qui permettent de faire des économies et de bien mieux utiliser, d'optimiser les sommes disponibles. Aujourd'hui, entreprendre, c'est la plus belle aventure qu'on puisse connaître dans sa vie, c'est d'entreprendre. Parce que l'entreprise, c'est la liberté de faire ce qu'on veut, c'est la créativité, c'est sans arrêt pouvoir imaginer ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on a un espace qui s'ouvre, qui est un espace absolument génial, qui est l'entrepreneuriat social. C'est que non seulement vous pouvez, qu'on soit jeune, moins jeune, etc., mais créer une entreprise avec tout le bonheur que ça engendre, mais en plus, on peut le faire sur des sujets sociétaux et des sujets humains. Et créer une entreprise
à dessein humain ou humaniste, moi je trouve que c'est la plus belle chose qui puisse être. Et donc moi ce que je dis, comme ce que j'adresse au message aux jeunes qui pensent à ces sujets de société, au sujet humain, c'est ben, n'hésitez pas quand vous avez une idée à y réfléchir et à voir dans quelle mesure vous ne pouvez pas en faire une entreprise tout simplement.